Mais quelle salle merveilleuse! Un public incroyable! Alors écoutez, je suis très heureuse d'être là. Ça a commencé depuis ce matin où j'ai ouvert les yeux dans le bus et j'ai poussé mon rideau comme ça et j'ai découvert votre magnifique ville. C'est merveilleux, c'est un endroit, j'ai tweeté. Et voilà, je voulais vraiment encore une fois vous dire merci d'être là ce soir et j'espère que cette soirée sera juste le prolongement de la magie qui opère, en tout cas depuis qu'on a mis les pieds et les roues chez vous. Alors ça, Manon, j'espère que vous avez beaucoup d'énergie parce que je vais vous en demander. Vous êtes chaud? Ok, ça commence avec ça. De vraiment fondamental en musique, c'est le rythme. Est-ce que vous avez envie de taper le rythme avec nous? Et par contre, il faut rester vraiment comme un métronome très 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 vigilant à ne pas accélérer ou à décélérer parce que tout d'un coup, après on est perdu. Alors on y va, on va regarder le maître. Non, ça va pas le faire, Saint-Malo, arrêtez! Vous allez trop vite! Si vous voulez, on peut arriver directement à la dernière chanson du spectacle si vous voulez que ça se passe vite. Alors on prend notre temps et on y va à la poule. On recommence.
faire pour m'oublier? Ta bizarre, tu me regardes dans les yeux, me prends par la main et me souris enfin. Ta jersey m'apaise, me réchauffe un peu, je suis bien. Est-ce vraiment ce que je veux? Un peu de rêve en somme.
comme toi, j'attendais ma chance. Je me disais, si je chante l'espoir, qui voudra m'écouter? Il n'y a pas de place pour moi, ici tout descendait. Chaque soir, dans le noir, en implorant le ciel, j'ai prié. Je veux t'entendre. Chacun son heure, comme toi, j'attendais tout. Et jusqu'au plus profond de mon cœur, comme toi, j'ignorais qu'un jour je te dirais. Quand il n'y a plus d'espoir, tout peut encore arriver. Thank you.
les chansons tristes, les douleurs, les détresses et les blessures d'air. Moi j'ai les chansons tristes, les chansons tristes.
Dis-moi parce que tu sais sans fumer. Ça commence à brûler, je le sens. Tout comme après mon tout premier pas. Je m'étais faite si belle pourtant. Et je pensais être fière à lui. Ça commence à faire un bon moment. Que j'attends qu'il avance la rupture. Et je vois dans les yeux de ma maman le regret de ma désinvolture. Je m'étais faite si belle pourtant et pensais que ce garçon était sûr. Il n'y a plus de doute maintenant. Avec une autre, il a pu s'enfuir. Simplement à mon contre-temps. Dans tous les cas, il pourrait prévenir. Je il n'y a plus aucun autre maintenant. Je sais comment cette soirée va finir. Je reste à la maison avec maman pour longtemps, toute une année entière. Tu t'étais faite si belle pourtant, même si la en tournée pour la première fois, et là j'ai découvert quelque chose d'encore plus beau que de chanter tout seul et se dire ouais, c'est bien, c'est d'avoir un public qui tout d'un coup reprend avec toi les chansons que t'as écrites toute seule. Enfin, je peux vous dire que c'est, ça rend presque, voilà, c'est pour moi la plus belle chose qui puisse m'arriver aujourd'hui, c'est de me retrouver là à un moment donné avec vous et de vous entendre chanter avec moi. Alors c'est le moment où je vous fais ma proposition. Est-ce que vous avez envie de chanter un petit peu Saint-Mal? Oui! Vous allez me faire ce beau cadeau, ce merveilleux cadeau? Oui! Ben ça c'est gentil. Hein. Alors on se gratte un peu la gorge. C'est fini.
C'est toute une vie qui s'assombrit. À quoi bon faire semblant du cœur? C'est à vous maintenant de repartir. Laisse aller ton charme. C'est une page qui se tourne. Concert à vie. Ouais, ouais. Pour la France,
On en chante ensemble. Oui. C'est parti. Hein. De tous les jours.
tant qu'il faut. Chaque instant, j'entends des cris, j'entends des voix, tous ces gens sur la voie, laissez-la à portée de nos bras. Difficile la vie. Qui s'appelle Un jour, avec Lana Torres. C'est un film merveilleux que je vous déconseille, puisqu'à la fin on est vraiment en lambeaux, on pleure beaucoup, et puis on réfléchit. La morale en gros, c'est qu'il y a peut-être des gens qu'on aime beaucoup, beaucoup, très fort, à qui on dit pas assez je t'aime, tout simplement parce qu'on se fait la tête, ou parce qu'il y a la distance, ou parce que ci, ou parce que ça. Et malheureusement, un jour la vie fait que
ces personnes-là disparaissent. Et là, je crois, en tout cas, c'est ce que on voit dans le film. On donnerait vraiment tout ce qu'on a pour pouvoir vivre encore un jour avec cette personne, une heure, et lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Au départ, c'était une chanson super personnelle, très intime. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup se sont appropriés les paroles. Et puis, même si c'est le genre de chanson qui plonge dans des souvenirs un peu malheureux, c'est toujours plus agréable de partager ces souvenirs douloureux avec les gens qu'on aime, tout simplement. Merci. Merci à toi. Thank you.
Les beaux textes, les mélodies nous donnent envie de pleurer. Et parce qu'en plus, en ce moment, là, tout de suite au moment où je vous parle, toutes mes pensées sont avec lui. Je voudrais lui rendre hommage. Pour nous offrir
C'est blanche sur une voix loin de soi. Gentil, capricieux.
Thank you.
va toujours? Vous avez encore de l'énergie? Bon, moi déjà, depuis que je suis toute petite, il y a une chose que je déteste. Bon, d'abord il y a les salsifis, les huîtres, et après en trois, l'injustice. Mais j'ai le droit de pas aimer les huîtres, enfin, voyons. Arrêtez Saint-Malo, hein. Parce que rien que d'y penser, je peux... Ah non, pas les huîtres, s'il vous plaît. Tout, mais pas les huîtres. Nolwenn, mais pas les huîtres. Non, vraiment, je déteste l'injustice. Et par exemple, vous savez ce que c'est l'injustice? Oui. Non, non, pas besoin de sortir le Larousse ou le Robert ou qui vous voulez. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste quand, par exemple, il y a des gens qui sont debout et puis il y en a d'autres qui sont assis? Oui. Injuste. Oui. Ah voilà, c'est injuste. Voilà. Non, on se lève. Ah, c'est bien. Il y en a un qui a dit, non, moi je sais pas ce que ça veut dire, je vais pas savoir, moi je reste assis. Voilà. C'est mieux. Ah bah voilà. Bah voilà Saint-Malo. En écoutant tout le monde. Je peux aller manger des huîtres avec Nolwenn pour la peine. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Avec vous. Qui c'est qui paye les huîtres? Parce qu'on est beaucoup. Bon, faut que je vous raconte la chanson qui arrive rapidement. Des fois, je m'inspire de films, je m'inspire surtout de ma propre histoire et de mes voyages, évidemment. J'ai fait un voyage, j'ai eu la chance de devenir marraine à l'UNESCO pour un programme d'alphabétisation au Sénégal. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. Et j'avais envie d'écrire une chanson, mais pas sur ce que j'avais vécu concrètement, mais plutôt ce que j'avais reçu, ce que ces femmes que j'ai rencontrées m'ont transmis. Et j'avais envie de faire une chanson avec leur énergie. Vous savez, quand on arrive dans un endroit, un village où ben déjà elle parle pas la même langue que moi et on savait, le seul moyen qu'on a trouvé pour vraiment communiquer c'était de danser, chanter et partager cette énergie, cet amour, cette chaleur humaine et voilà, bref, j'avais envie de faire une chanson qui reflète un petit peu ça. Voilà, instinct. Et maintenant que vous êtes tous debout, je voudrais vraiment qu'on essaye le temps d'une chanson, d'oublier que moi je suis sur scène, que vous êtes pas sur scène, on s'en fout, c'est pas le principal. Ce que je voudrais, c'est que vraiment vous sentiez qu'à côté de vous, il y a des gens qui sont venus, qui sont peut-être pas avec vous, mais qui sont venus sûrement pour les mêmes raisons que vous, puisque de toute manière, il n'y a que moi sur scène. Donc vous avez des points communs avec tous les gens qui sont ici déjà, ça fait un point commun. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres à la fois. Je voudrais que sur cette chanson, en gros, vous vous amusiez, que vous dansiez les uns les autres. Et moi, je vais juste chanter pour vous, mais sentez la chaleur, quoi. Rentrez dans votre corps et on fait passer l'énergie, et, d'accord? Ouais!
Alors au son s'il vous plaît.
Là, il me suit depuis la nouvelle star. Ça fait 10 ans. Alex, s'il vous plaît, un génie. Merci. C'est un peu notre nounou. Il s'occupe de nous, il fait en sorte que tout soit carré et clos. C'est celui sur qui on fait nos nerfs aussi un petit peu, parce que c'est lui qui nous dit c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est machin. Mais on serait vraiment de la merde s'il n'était pas là. Et on en ferait aussi beaucoup. Alors Kim, s'il vous plaît. Le monsieur avec la perruque blonde et ses lunettes qui est passé tout à l'heure, c'est la deuxième tournée que je fais avec lui. Il n'aime pas qu'on lui dise des gentilles choses parce qu'il est un peu diabolique. Et lui, il veut pas dire qu'il nous aime, et il veut pas qu'on lui dise qu'on l'aime. Mais on sait qu'il nous aime et on l'aime aussi. Et il fait un travail merveilleux aussi, alors... Et on a trop de respect pour lui et trop d'amour, et je veux faire toutes mes tournées avec toi aussi. Voilà. Sylvain, s'il vous plaît. J'ai une nana derrière. C'est un peu long, je suis désolée, mais c'est important, c'est 13 mois de vie. Et si je le fais pas maintenant, ben, ça aura pas de saveur, alors je le fais maintenant. On a une nana derrière qui s'appelle Sandra. C'est notre maman, notre maquilleuse, notre coiffeuse, notre habilleuse, elle court. Et voilà, on t'aime tous et on est heureux de t'avoir nous aussi. Voilà, du fond du cœur, pour toute l'équipe, votre maman à nous. Merci, merci pour tout. Le monsieur qui me suit avec la poursuite, c'est le monsieur qui conduit le grand Anthony Remarque à l'event. Une des premières dates qu'on a faites ensemble, c'était aussi belle. Donc on a chanté en fond de neige, hein. Les Alpes, dans le Jura même d'ailleurs. Et il m'a ramené un couteau, il m'a dit voilà, tu me donnes une pièce, je te donne un couteau et on sera amis pour la vie. C'est un mec qui doit faire à peu près 200 kilos, il a une main qui fait ma tête. Donc il faut pas, on a pas envie de s'énerver avec lui, mais de toutes les manières, c'est juste un gros nounours. Et pareil, c'est une force de la nature. Une force de la nature. Et on l'aime très très fort, c'est un peu notre... voilà. Quelqu'un s'il vous plaît. Et c'est toute cette créa que vous venez de voir ce soir et depuis un an sur le concert aussi d'un 5 tours. Voilà, encore quelqu'un jeune, très jeune, avec beaucoup de talent et beaucoup d'humilité et qu'on aime énormément. Benji! C'est pas évident de se retrouver avec tout ça et personne s'est plaint en 13 mois parce que je sais que j'ai aussi un génie là-bas. Monsieur, bonsoir. Sylvain, s'il vous plaît. Le monsieur qui programme tout ça, c'est aussi un mec plein d'humilité avec aussi beaucoup de talent. Et puis lui, ce qu'il fait, c'est pour être sûr que vous soyez très très bien, ben, il se balade dans la salle pour savoir s'il y a tous les endroits de la scène. On a fait des salles beaucoup plus grandes. Et il se balade partout pour être sûr que tout le monde, dans tous les recoins de la salle, tout le monde entende bien, tout le monde soit bien, que personne soit embêté par un son, par un truc, par une lumière. C'est Lionel, alors. Faites du bruit pour lui. Depuis que
que j'ai à peu près 10 ans. Elle chantait déjà à mes côtés, elle faisait déjà mes cœurs en se bouchant les oreilles parce qu'elle n'arrivait pas à faire des armes. Et j'espère qu'un jour, et je me le souhaite vraiment, faire ses premières parties. C'était ma petite sœur Mélissa, s'il vous plaît. Et mon manager qui est là ce soir. Et j'aime du fond du cœur Benjamin. Parce qu'il y a les tournées, puis il y a avant, et puis il y a après, et puis il y a ce qui se passe jusqu'à la prochaine. Et c'est celui qui est toujours là. C'est mon alter ego, le papa que j'ai pas eu. Merci Benjamin d'être venu ce soir. Lui par contre, je sais qu'il vient beaucoup pour le casino. Moi, je prends mon point de cœur aussi. Je sais que je devrais pas le dire parce qu'après les gens ils s'en servent, pas vous, hein, mais d'autres gens en échange. Et à l'homme de ma vie aussi qui m'a accompagné tout le long de cette année. Et voilà, je t'aime mon amour de ma vie et avant toi c'était tout pourri. Et maintenant après les concerts, ben, c'est pas vide, c'est une autre aventure. Que dire, je sais que j'ai des personnes qui travaillent chez Barrière ce soir, qui sont aussi restées pour le concert. Merci de nous avoir donné la chance de partir sur cette deuxième aventure en nu. Voilà, hein. Je crois que j'ai tout dit, non? Ça y est. Merci à vous, vraiment du fond du cœur. J'ai des matimètres qui est toujours quelque part caché, même dans les villes les plus recluses. Je vous retrouve. Voilà, il y a ceux qui sont là tout le temps, il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui viendront plus tard et ça donne juste des moments de fou. Alors merci tous autant que vous êtes avec vos différences, les raisons pour lesquelles vous êtes venus, si vous êtes déjà venus, si vous allez revenir ou non. Ce soir je vous ai aimé tellement fort. Merci du fond du cœur. Merci. Thank you.
Descendez, descendez, descendez.